principale, madame la députée de Taschereau. Monsieur le Président, depuis 2003, année de la promesse libérale du premier ministre d'éliminer une fois pour toutes l'attente dans les urgences, la situation de la région de la Naudière se détériore sans cesse. Selon les chiffres obtenus du ministère de la Santé, le délai moyen de séjour à l'urgence, qui était de 18,2 heures en 2003, est maintenant à 25 heures. 25 heures. Pour les gens qui passent 48 heures et plus sur une civière à l'urgence, c'est 36 % des personnes qui sont admises. C'est 4 fois plus qu'en 2003. La médecine de corridor règne en maître dans la Naudière. Le ministre trouve toujours quelqu'un d'autre à qui lancer le blâme. Pendant ce temps-là, la population et le personnel soignant vivent une situation intenable et inacceptable. Quand va-t-il régler le problème des urgences dans la Naudière? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, lors de la pétition, il était fait mention qu'il y a manqué de médecins dans la Naudière. Mais je rappellerai au Parti québécois que non seulement ils ont mis à leur retraite, ils ont diminué le nombre d'admissions en médecine. Le Parti libéral a ouvert 2 unités de médecine, une à la Naudière-Nord et une à la Naudière-Sud. Et depuis ce temps, c'est 80 % des médecins qui sont formés sur place, qui demeurent sur place. D'ailleurs, auparavant, il y a à peu près une dizaine d'années, il n'y a personne qui voulait s'installer dans la Naudière parce que, justement, ils trouvaient la Naudière à une certaine distance et ils n'étaient pas formés sur place. Maintenant, ils sont formés sur place, ce qui augmente notre nombre de médecins. Du côté du financement, également, à cause de la croissance de population, à cause de la croissance des besoins, la Naudière est réajustée sur une base extrêmement régulière. Nous avons annoncé les 130 lits qui vont se construire au niveau de la Naudière Sud. Et de plus, nous sommes en train de travailler au niveau des personnes âgées pour améliorer l'offre de services à domicile. Complémentaire, Madame la députée de Joliette. L'hôpital de Joliette est l'une des 11 urgences dont le ministre a dit s'occuper personnellement. Or, je veux juste rappeler, le temps d'attente en 2003, 13,6 heures, et maintenant 25 heures. Mais il y a pire. En 2003 et 2011, le pourcentage des patients demeurant plus de 48 heures à l'urgence a augmenté de 2000 %. Comment, avec de tels résultats, le ministre peut-il sérieusement prétendre s'occuper de l'urgence de Joliette? Comment peut-il regarder la situation se détériorer ainsi? Des champions. Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, on parle régulièrement avec les dirigeants de l'hôpital de Joliette et également avec celle de Pierre Legardeur, et ils font des très gros efforts actuellement. Ce qu'il faut, c'est développer les soins à domicile. Ce qu'il faut également, c'est développer le fonctionnement au niveau de l'urgence, dont, entre autres, à Joliette, actuellement, il y a un nouveau directeur au niveau des services professionnels, un nouveau chef de département, il y a une dynamique qui est en train de s'installer. Les deux urgences, ce sont deux urgences neuves, rénovées. Je rappellerai peut-être au Parti québécois, la Naudière, Laval, Laurentide, vous les avez négligés, ça s'est détérioré, et on est en train de ramasser vos problèmes que vous avez créés, et on va en trouver des solutions. Vous n'avez jamais eu aucune solution. Complémentaire, Madame la députée de Taschereau. Non, ben, j'aimerais entendre la députée de Taschereau. Monsieur le député de Rousseau, est-ce que je peux entendre Madame la députée de Taschereau? Ouais, c'est drôle. Là, c'est à ma gauche que j'entends pas. J'entends beaucoup. Madame la députée de Taschereau. S'il vous plaît. On va écouter Madame la députée de Taschereau. Pendant que le ministre blâme tout le monde, à l'hôpital Pierre-Legardeur, l'attente à l'urgence est rendue à près de 25 heures. 25 heures! Beaucoup plus qu'en 2003, croyez-moi. Depuis 3 ans, justement, cette urgence, elle est dans le groupe des 11 dont je vous ai parlé la semaine dernière. Vous savez, ce groupe des 11 que le ministre a dit qu'il allait surveiller personnellement, lui-même. Quand est-ce qu'il va régler les problèmes de la Naudière et de Legardeur? Monsieur le ministre de la Santé. La députée de Taschereau vient de le dire, et je le répète, je m'en occupe personnellement. On les suit de très près. C'est faux, Monsieur le Président, c'est faux de dire que je blâme tout le monde. C'est seulement le Parti québécois qui a causé le problème au système de santé. Monsieur le Président, on va rappeler la règle d'or. Ça prend 10 ans de former un médecin.
lorsqu'ils ont pris une journée pour les mettre à la retraite, nous autres, ça nous prend 10 ans pour reconstruire le système de santé. Oh!